Salut les cyclistes. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la 7e édition du Trono du Benin qui a eu lieu le dimanche 20 août. J'en dis plus tout de suite après l'intro. Alors d'abord, on va parler du col en lui-même. Si on s'en réfère au segment Strava officiel, c'est une montée de 9 km 875, 4,7% de pente moyenne, soit un dénivelé de 470 mètres. Alors, il y avait un fort mistral qui soufflait et qui était particulièrement handicapant dans les parties où on le prenait de face. Et j'ai trouvé qu'il n'aidait pas vraiment dans les parties où on devait l'avoir de dos ou trois quarts dos. Après, ceux qui étaient là-bas et qui sont pas d'accord, c'est un petit commentaire. Donc ce chrono était organisé par le club cyclosportif Couxois. Il y avait 40 bénévoles pour que cette épreuve se déroule convenablement. Il y a eu 152 participants qui ont pris le départ, dont 19 minimes, 16 cadets et 5 juniors. Le meilleur temps, toutes catégories confondues, c'est celui de Mathis Magirier. Il vient battre le record établi en 2016 et ramène donc le temps à 20 minutes 49. Donne une moyenne de 28,5 km/h sur la montée. On peut noter aussi la performance de Martine Chaudier qui remporte le scratch féminin en 28 minutes 39. Moi personnellement, j'ai mis 28 minutes 06 avec mon BMC LR01 et je peux vous dire que faire une montée chronométrée avec un vélo de 9 kg, ça fait pas du bien. Mais bon, j'avais pas la pression, j'y suis allé en m'amusant et franchement, c'était super. J'en ai même profité pour faire un petit bonjour au photographe du 5e kilomètre. Qui concerne les récompenses, les trois premiers de chaque catégorie étaient récompensés. Et il y a eu un tirage au sort de 10 lots. Il y avait deux paires de lunettes Adidas d'une valeur de 150 € à gagner. Enfin, pour finir, 1 € était prélevé sur chaque inscription pour être reversé à la Ligue contre le cancer. C'est finalement 200 € qui ont pu être reversés. Donc bravo. Vous pouvez vous applaudir derrière votre écran ou pas. Je vous mets tout de suite un petit clip avec des images du départ, du 5e kilomètre et de l'arrivée. C'est parti. We'll be right back.
les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous mets dans la description un lien pour aller faire un tour sur le site du CS Toulsois. Et puis, je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Venez encore plus nombreux. Il faudrait peut-être arriver à battre le record de 176 participants. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde et bon ride à tous.